Et 73, Daniel. Attends, pour le moment, je vais me mettre en place, là, comme d'habitude. Il y a un petit peu de monde, en plus, là, dans le coin. Il y en a qui ont un peu squatté, là, le quartier, là, on va dire, Hachy. Attends, je suis pas sûr d'être au bon endroit. Je crois que ce matin, je vais les foutre ailleurs. Non, pas encore. Bah, je l'aurai tout à l'heure, de toute façon, après notre petit QSO. Ok, tu le fais dans les couilles, alors. On repasse sur le 19 Alpha, là, le 27 195 en Lima Sierra Bravo. Ok, c'est parti. Ok, vas-y, parle. Attends, là j'étais devant le nez d'un camion là qui est en train de dormir, ça le fait pas trop. Attends, je bouge un peu là. Là, faut que je me trouve un meilleur endroit là pour ce matin. Ouais, la belette, je l'aurai tout à l'heure après là. Hier, il m'a demandé là, quelques renseignements et tout ça avant-hier. Ouais, pour tout remettre à zéro. Avant-hier, je les écoutais parler de matériel, de poste et tout. Son collègue qui a un nouveau poste, dont il ne comprend rien dans les fonctions, c'est un président. La belette avec les nouveaux postes qui étaient un petit peu paumés aussi là-dedans. Du coup, cette nuit, j'ai fait une petite recherche là sur ce qu'il y a là comme poste président et surtout les fiches techniques, là, pour voir un petit peu les fonctions qu'il y a dessus. Bon, ça va, dans l'ensemble, c'est assez simple. Je saurais quoi lui dire tout à l'heure. C'est impeccable ça. Bon, du coup j'avais trouvé une autre place, mais c'est plein de QRM là où j'étais. Ben, c'est pas grave, je roule un petit peu, je retourne un petit peu en arrière là pour voir un peu ce que ça donne. Ok, ben moi je t'entends bien, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ben là, là aussi. Mais le problème c'est que là où je suis actuellement, je peux pas rester là. Je suis en pleine voie là. J'ai rien sur le côté pour m'y mettre en plus. Attends, je vais bien voir ce que ça donne là. Alors attends, là j'ai des camions qui sont garés là. Voyons un peu ce que ça donne là maintenant. Bon, je t'attends pour venir là. Ok, bon d'accord, je vais me foutre ici alors. D'accord, impeccable. C'est là, je suis au niveau du rond-point
L'intersection de Magueda, c'est de la poudrerie là. Et là, j'entends très bonne radio de 5 là, RMI avec signal de 4, hein, 4-5, pareil, équivalent. Hein. Voilà, bon, mais ce matin, c'est le grand jour. Si on continue à travailler ensemble ou pas, RMI. Ah, à ce point-là ouais, d'accord. Enfin, bon, j'ai traduit, hein, y a pas de problème. D'accord. Ah, donc, y a toute notre grande direction et toutes les autres grandes directions qui sont là ce matin. Ok, d'accord. Ah ben, moi, en fait, tu sais, hein, tous les ans, sur certains sites, c'est les mêmes inquiétudes, et puis tous les ans, c'est renouvelé, quoi. Ah oh, ouais, non, mais bon, il serre les fesses quand même, hein. Il serre les fesses parce que y a d'autres sociétés derrière qui... voilà, donc après, plus ou moins bon, malheureusement, mais voilà. Donc, on ne saura pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les démarches, ils sont là pour négocier. Et le résultat final, eh bien, écoute, je ne sais pas si on le fera, j'espère, avant le mois de mars, voilà. J'ai envoyé, donc, comme je t'avais dit, à venir et puis à rouler la démarche pour le week-end du Radio Walk. Après, bon, mais si jamais il y avait un changement, eh bien, je ne sais pas comment ça sera passé aussi pour l'année prochaine, pour ma reine. Voilà, donc on verra. Pour l'instant, c'est la journée passée est posée et acceptée pour Radio Rock. Maintenant, il me reste à m'amarrer d'avoir à venir. Ouais, cet après-midi, il faut que je pense à téléphoner, ouais, justement, là, pour Radio Brock. Je sais plus si... il me semble que j'ai déjà posé ce week-end-là, je sais plus. Je sais plus. Au secours. Bon, bah, de toute façon, ouais, il faut que je pense à téléphoner cet après-midi. Ça sera déjà fait. Et puis on verra. Et puis pour Radio Brock, si ça a changé de ton côté d'ici là, ben on improvisera et puis c'est tout. Hein. On fera autrement. Hein, et puis on fera autrement, on fera sans, on fera différemment. Ou enfin je sais pas, ça sera à voir. Pour ma reine, ça serait plus con. De toute façon, si c'est autrement, j'aurais pas le choix. Ben oui, tout à fait, là. C'est pour ça, la montagne média, bon, c'est toujours dans les services d'aujourd'hui. Mais comme je te dis, bon, à partir d'aujourd'hui, là, tout va se décider là, pour la suite. Voilà, et donc, de toute façon, on ne sait pas ce qui nous empêchera de rester en contact, même en visu, hein, c'est pas ce qui va mal arrêter. Hein. Voilà, on en parlera plutôt de vivre heureux de tout ça. Ok, pour ça, donc voilà, même continuer, je te disais, donc je fais de temps en temps, petit à petit, là, les distributions vont de temps en temps. Ah d'accord. Ah chi, trois fois. De mon côté, là, quand je suis sur le chantier par là-bas, en journée, j'y vais au feeling. Bien sûr, si je vois qu'en face de moi j'ai une tête de con, ici là c'est même pas la peine. Il y a des stéréotypes où là on sait déjà que de toute façon ça va pas le faire. Donc c'est vrai que là, j'en ai distribué quelques-unes, oui, mais bon, ça s'est bien calmé depuis le dernier coup. Là, j'en ai filé carrément tout un paquet, quoi. Ah oui, quand même. Ah oui, donc, j'en ai distribué. Et bon, après, moi, c'est parce que j'en vois pas grand-chose. Ça fait, il n'y a pas tant de temps. Pourtant, des hommes qui viennent de chez nous, là, beaucoup de temps au moment. Qui fait un peu aux autres collègues à l'eau, là, qui font la radio. Voilà.
comme ça, bon, ça sert à rien aussi de faire connaître nos empêches. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Nous, dans mon trou perdu, là, dans mon trou de valve, haché. C'est pas évident du tout. Ouais, ouais, bah oui, tout à fait. Et puis en plus, là, je vois, là où je viens de faire mes trois nuits, là, là, c'est même pas la peine, quoi. C'est. Il y en a comme ça où, alors, on va mettre en avant, on va dire, les consignes de sécurité à leur niveau qui leur empêchent d'avoir la cible à bord, quoi. C'est. Bon, ça se comprend, on va dire. C'est. Mais bon, donc là, j'en parle même pas, là, du coup, hein. Ok, c'est pas grave, t'auras qu'à écouter la vidéo. Hachi! Ouais, ça sera le mieux. Ouais, voilà. Au fait, tout à l'heure, là, t'as aperçu là, une vidéo là, avec un mec en Harley dans les virages. Alors, toi, je saute du coq à l'âne, Hachi. Les gens disent toujours qu'une Harley ça rame, ceci, cela, mais tu t'amuseras à regarder la vidéo. Même pas je le suis, hein, surtout pas, gros. C'est une saloperie, ça. C'est pourri de cœur, là. Donc, c'est pas grave. Je vais regarder la vidéo. Je te laisserai un petit mot. Ouais, 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 pas de problème. C'est vrai que moi, c'est pareil. Hein, à côté du QIRA, j'ai des éclairages à LED hein, qui ont été mis en place. Et dès que je passe en dessous, je me prends de ces QRM dans le poste. Ouais, yeah, au secours. Bon, ça va, ces QRM-là sont à courte portée. Donc, on a vite fait de s'en écarter, quoi. Ah, mais là, ça fait mitraillette, ça fait... je pense que ça va être des lèvres qui doivent avoir avec des... Je sais pas si c'est des impulsions, je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas QRO, voilà, c'est pas du tout QRO, du tout. Voilà, bon, allez hop, je te remercie de marche arrière, comme d'hab, et je vais me garer. Ok, bien plus de ça, là je suis pas au même emplacement que d'habitude, je t'attrape par le côté, hachi. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour pas que ça passe dans de bonnes conditions, quoi, hachi. Demain repos et puis vendredi j'embauche à 6h. Voilà, ben Rémi, donc là ça pour moi là, c'est 2 jours de QRO là, de QSO avec toi. Allez, 73 encore, rentre bien, bisous à madame. Ok, demain, j'ai le contrôle technique du bonhomme. Et après-demain, je sais plus. Après-demain, je suis vroom vroom. Samedi beaucoup. Samedi, je suis à l'arbre de Noël là-bas à Mérignac pour ton client. Hachi, trois coups. Ok, à plus, amuse-toi bien. Ok, allez, 73. Ouais, 73.
Attention la belette pour Dany 33 qui t'appelle. Attention à la belette. Attention la belette pour Dany 33 qui t'appelle. Oh, il est parti où la belette? Il se cache ce matin, Hachi. Ouais, il m'a semblé entendre quelqu'un siffler là, dans le lointain, c'était à peine audible. Et 73 la station de la part de Dany 33 sur les quais de Bassins. Attention la belette. Partout ce matin. Attention la belette. Attention Nico 33 pour Dany 33 qui t'appelle. Les stations là qui arrivent du nord là qui vont vers le pont d'Aquitaine, ça commence à être pas mal chargé déjà. Et il n'est que 6h25, c'est tout. Oups, du côté de la rocade rive droite, en allant vers le sud, c'est pareil, c'est complètement bouché. Alors les stations en fréquence qui arrivent du pont d'Aquitaine ou du nord là pour prendre la rocade est vers le sud, là c'est complètement bouché, hein, tout le monde est à l'arrêt.
Aquí. Yo creo que sí, que esa es la teoría. Que se ha quedado atravesar la carretera y le ha venido mejor meterle, tirarte el culo de aquel lado, lo que sea. La talla que han puesto ahí. Y nos hemos quedado del atasco nosotros, va a ver esta gente. Esto tiene en el disco aquí, tú lo sabes, ¿no? Las dos horas sí las van a perder. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle, ou Nico pour Dandy 33 qui t'appelle. Bon, les stations qui viendraient d'arriver juste en fréquence. Évitez la rocade rive droite car là on est tous à l'arrêt, hein. C'est complètement bouché. Là il est clair qu'il y a dû y avoir un carton quelque part plus au sud. Attention la belette au Nico pour Dandy 33 qui vous appelle.
Eh, c'est la belette que j'ai entendue dans le lointain derrière. Et 73 à toi, la belette, il me semble t'avoir reconnu là dans le lointain derrière. Là, je suis coincé dans les bouchons, là, rive droite, n'importe quoi, rocade, rive droite. Bon, bah, ça passe plus de mon côté, là. Ah, c'est le bordel ce matin. Oh, tu le laisses pour ça, Yannick. Je l'ai déposé, toi, si je l'ai déposé. Ah, t'es pas mignon, toi. Hein. Allez, qu'est-ce que ça, je te l'ai. Il est bien comme nous, il attend derrière. Ah, c'est le bordel à Bordeaux. Thank you.
Attention la belette, Nico pour Dundee 33 qui vous appelle. Bon, vu les QRM que j'ai de mon côté, si vous m'entendez, surtout prenez pas la rocade rive droite. Hein. Elle est complètement bouchée là dans le sens intérieur. Hein. C'est pas compliqué, j'ai mis une heure pour aller de Bassins à la sortie 26. Ouais, toujours, il dit 19 minutes seulement. En fréquence sur le 19, surtout prenez pas la rocade rive droite. Là, il y a eu un carton, pardon, il y a eu un carton, là, c'est les merdis de tous les côtés.
comme ça, on ferait mieux de prendre la moto. D'un autre côté, ça laisse le temps de voir le paysage. Quoique, il fait nuit. Hein.